Et salut à tous, c'est Thiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce deuxième épisode d'Orme de Total War dans lequel nous jouons l'Égypte en difficulté légendaire. Alors j'ai repris là où on s'était arrêté, à peu près parce que la sauvegarde se fait au début du tour, donc j'ai essayé de refaire à peu près ce que j'avais fait le tour d'après, enfin la dernière fois. C'est-à-dire j'ai développé Ogilla, j'ai rompu le traité avec la Rome d'Antoine. Lui toujours pas. Lui toujours pas, c'est pas grave. Enfin voilà. On allait en direction du sud de l'Éthiopie pour tout simplement conquérir ce territoire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ramener l'armée de Cléopâtre. Pour petit rappel, hein, l'armée de Cléopâtre, ce que je veux en faire, c'est juste Cléopâtre, ce que je veux en faire, pardon, plus Cléopâtre que son armée. En fait, je vais juste faire en sorte que ce soit une recruteuse, donc je l'augmente. Je la mets en 10. Comme ça, je vais pouvoir recruter les unités avec... tout simplement avec des rangs améliorés. Une fois que c'est fait, on y touche plus. je recrute son fils, donc Ptolémée, qui aura eu le temps, j'espère, de grandir. Tiens, d'ailleurs, est-ce que je peux... Hop, je peux adopter Envios. Voilà, ça c'est fait, un risque en moins. De l'armure, on le marie. Et on le fait une petite promotion, voilà. Sachant que il faudra faire attention aussi aux sécessions. Donc c'est quoi déjà? C'est statut diplomate, non? Parti, voilà. Les prétendants ptolémaïques là qui seront en Libye. Donc il faudra garder une petite armée déjà au Gila hein, pour tout simplement garder la frontière. Et en plus en cas de sécession, il y aura du monde. Ce que je vais faire, c'est peut-être prendre d'ailleurs l'armée qui est à Diospolis pour l'amener à Ogilla. Voilà, et recruter les dernières unités à Diospolis. C'est dynastique, ok. Voilà, donc je vais me mettre en route. Petite marche normale, ça devrait être bon. Et on est pas mal, hein. Enclos bétail. On a besoin des revenus, les gars. Ah, ça. Ouais, on va avoir plus de croissance et plus de nourriture. Ça, c'est toujours bien. De la nourriture, c'est ce qu'on veut. C'est ce que l'on aime. Il nous reste combien de tours avant la fin de cette. On a encore protégé 7 tours d'éventuelle sécession. En profiter. Voilà, le temps de faire les trajets, cette tour, ça devrait être bon. Alors, et d'ailleurs, qui est-ce que j'ai ici? Ah, j'ai de la cavalerie, tiens. C'est pas mal. Allez. On rebouge tout le monde. Ah oui, quand même, déjà. Attends, mais il fait baisser le moral. Bon, un d'ordre public. Purée, c'est quoi ce commandant? Mais qui c'est qui m'a refoutu ça? Moins deux d'ordre public, mais c'est quoi ça? Ah oui, non, d'ailleurs. Voilà, c'est ça que j'avais pas fait. Hein, simplement. On reprend notre belle Cléopâtre. Pas déconner non plus. Voilà, et j'ai vu qu'il y avait encore une autre naissance, enfin une personne, je sais pas qui. Ah oui, c'est sa femme. Ah, c'est logique. Ouf, ça c'est bien. Oh, les revenus commerciaux là. Oh les gars, les plus 10% de revenus commerciaux, c'est bien ça. Ah oui, il faut que je. Faut que j'utilise mon espion, sinon c'est pas foufou quoi. Accord. Bah oui, mais non.
même s'il ne le sait pas encore, a beaucoup de choses à gagner. Allez, un petit coup de vol. Je vais dissoudre cette armée-là, enfin cette partie-là. On va augmenter ça. En vrai, je sais même plus ce que je peux recruter ici. Ah ouais, cavalerie égyptienne, ils sont badass, hein. Ok, et ouais, défendeur. Ok. C'est ça que je voulais voir, surtout les unités à distance. Les obélisques radieux. Les obélisques, pardon, radieux. Je vais changer son général. Il fait pas partie de des miens, donc je ne le veux pas. Ok, voilà, on améliore quand même. Ok, ça se passe très très bien maintenant. Faire un quai militaire alexandrien. Au cas où, au cas où. On ne sait jamais, vous savez. D'ailleurs, petite question. Non, je peux pas encore. Voilà, donc nos revenus se sont considérablement améliorés. En grande partie du fait que j'ai rompu l'accord, donc, avec Rome d'Antoine. Avec Antoine, ouais, Antoine, du coup. La Rome d'Antoine. Qui, on le rappelle, était un statut de client. Ouh, oh, la cavalerie! Oh, la cavalerie, les gars! C'est génial. Je vais recruter. Ah, mais ils sont rang 0, donc je vais tout re-recruter en fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais. Et pareil ici. Hop. Zoup. Bon, ça me fera un peu de faiblesse quelques tours. Mais en vrai. Elle recrute tellement haut niveau que. Surtout la cavalerie, purée, rang 6 direct. C'est juste énorme. C'est juste énorme. On est plus à l'abri d'une guerre civile. Notre esclave Thrace a été capturée par des opposants politiques. On va la racheter. C'est mon esclave. Surtout ma confidente, je suppose, etc. Donc, oh, le Ptolémée, attendez, j'ai oublié ça. Il va peut-être falloir l'éduquer aussi. Quelques unités de piquet en construction. En entraînement. On va voir si ça passe, toujours pas. Est-ce que je peux le faire avec eux? Personne ne veut se marier avec moi. C'est fou ça. Putain, je suis en bon parti pourtant. Enfin, je sais pas, Cléopâtre, elle avait une belle tronche, je crois, un bonnet. Je comprends pas. J'ai commencé à mal le prendre. Hein. Pacte de non-agrément. Non. Architecte. On va la recruter, allez. Je sais que plus tard on va avoir besoin d'unités, alors pour l'instant c'est un peu embêtant. Oh, Aegyptoscape. C'est bon ça. Voilà. Taléa, qui est. Quoi, Taléa? Oh! Ah ouais! Oh, c'est très bien ça! Plus 10% de revenus des ressources locales. Eh bah écoute, pas de problème. Au contraire. Voilà. On va recruter ça avant.
Voilà, et après on augmentera un peu les autres constructions. Ici on est bien. Ici également. Même pouvoir améliorer cette armée quand même, depuis tout à l'heure. Et je vais faire venir ce général à 10 polices. Jos Police. Et ce général, je vais le faire aller à Paris-Tognon. Voilà, pourquoi je fais ça? Simplement parce que je pense que les Bellem, les Belli, ah, je sais plus comment ils s'appellent au sud. Enfin, ils vont venir attaquer Jos Police. Et j'ai peur qu'ils contournent mon armée principale. Donc ça fera une armée de défense. Et l'autre que j'envoie à Paris-Tognon aura une double utilité. En cas d'invasion par une flotte, il sera déjà sur la côte. Et en cas d'invasion par l'est, il sera à côté d'Alexandria, donc double utilité. Ok, d'ailleurs Alexandria qui devient une mégalopole. Et ben, j'ai plus d'argent. Voilà un tour rapide. On va faire un marché en plein air. On peut voir également que l'armée de Marraine, donc mon armée principale, sera recrutée le tour prochain. On aura fini son recrutement le tour prochain. Ce qui est une très bonne chose. Et j'ai besoin de plus. Oui, c'est bizarre, ça fait pas deux fois qu'on me le dit ça. Bah ouais. Voilà, pareil. Au cas où. On va faire un Odéon. 10% d'ordre public. 10, pardon, 10. C'est juste énorme. Je sais pas combien je suis à combien là. 5, 10, pff, doublé. 20 au dernier. Oh la vache, hippodrome. Il faudra que je fasse la grande bibliothèque aussi. Ça peut servir. Non, il essaye, hein. Ouais, il essaye, mais bon. Il a pas tort. Ah ouais, tiens, d'ailleurs, il va falloir que je fasse gaffe à Niosormos aussi. Oh, j'y arrive, hein. Ouais, non, je me disais, si j'y arrive en un tour, c'est pas normal. Et on va y aller en raid. En espérant qu'il n'y ait pas. Vous les connaissez, les fameux diplomates? Alors, en raid. Voilà. Les mages, là, tout ce qui casse, mais. Tout ce qui aime bien recruter mes unités, là, hein. Saloperie. Ah, ok, toi, t'as up, je crois, c'est ça? Oui, bien. Très, 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 très bien, le Lant. On continue. Donc on avance, pépère dans le désert, tranquillou. Ben, on remonte le Nil, hein, j'ai envie de dire. Bon, j'ai aucune idée s'il meurt de faim ou quoi que ce soit, parce que là je les vois pas avancer plus que ça. Ça me paraît bizarre. Ok, rang 2, très très bien. Tirailleur cale sèche, ah ouais, quand même. Y a pas, ouais, je suis pas très hypé par ce qu'il y a. Reconstitution, j'ai ce qu'il faut. Allez, tactique, ça fera un peu plus de portée. Reconstitution, j'ai tellement de nourriture qu'il n'y a pas de problème. Un bouquet commercial, moins de nourriture, pareil, pas de soucis. Là, je vais avoir la portée pour voir ce qui se passe du coup. Hop. Non, toujours pas. Après, on est quand même assez près de l'ennemi, donc on va faire attention. Sabre. Cléopâtre, plus autorité. Oh la vache. Et ça va être une.
folle d'autorité. Impeccable. Il y a combien? 6! Ah ouais! C'est pas mal. Pas le mariage, quoi, c'est fou, hein. Je comprends pas. Je vais pas leur proposer du fric non plus pour me vendre. Hein. Enfin, pour me vendre, doucement quand même. Mais, pour moi, enfin, normalement, c'est plutôt l'inverse. Il me semble qu'à l'époque, on achetait une femme. On la vendait pas. C'était le but. Quand t'avais des femmes, tu pouvais les vendre. Ça te rapportait de l'argent, t'étais content. Alors, tout ça, c'est bien sûr à prendre avec des pincettes. C'était l'époque ancienne. Antique même. Hop, regarde. Ah, mais c'est pas... je suis pas en guerre contre eux. Parfait. Là, je peux pas être plus dans la ville. Hein. C'est. Eh ben écoute, moi j'ai deux yeux. Donc vu que t'as une amulette contre le mauvais œil, bah moi vu que j'en ai deux, bah tu te prendras deux mauvais œils. Deux mauvais yeux. Deux mauvais œils. Oula. Ça s'arrange pas là, la connerie là. TP, tu m'étonnes. Mais il m'attaque pas! Mais pourquoi? Mais qu'est-ce que. Ah, ils sont en train de recruter. On va les laisser recruter. On va les laisser recruter. Alors voilà, et là ce sera vraiment juste des fermes, mais. Production de masse. Là ce sera rentabilité. Et si production de masse, je pense que ça se voit déjà. Je suis à 3400. 3400 juste avec ma province quoi. J'ai que de la bouffe, j'ai 3 terrains d'élevage. C'est juste parfait. Oh! Bonjour, comment vas-tu? Bon, ce serait bien s'ils faisaient une attaque coordonnée là, sur moi, comme ça je me débarrasserai des deux en même temps. Hop! Augmenter un petit peu quand même là. Cette armée à Diospolis qui risque d'être un peu plus. Un peu plus dans le mal. Voilà. Les roués qui ont décidé de me déclarer la guerre. Ah, pas de problème. Aucun souci. Je suis preneur. Si c'est pour casser du méroé, il n'y a aucun problème, les gars. Par contre, faudrait bien qu'il se bouge un peu, lui. Genre, il veut vraiment pas m'attaquer. Après, peut-être que je suis trop près et que c'est buggé à moitié pour lui. Oh! Oh! Vous avez vu? C'est ça. C'est exactement ça, il s'est barré. Il a emmené une autre armée, je pense à Diospolis ou quelque chose comme ça. Oui, c'est l'habitude ça, désolé. Allez, bah, on va mener la bataille sur le champ. Hein. Surtout, là, pas grand chose. Beaucoup d'unités à distance, hein, quand même. Falloir se méfier. C'est que ça de bon. Oh, le terrain. Oh, on a l'avantage en plus. C'est très bien. Juste parfait. Ah, par contre, ça va être un peu plus comme ça là. Voilà. Formation de pique. Voilà. Ça, on est là. Ça, comme d'hab, ils sont encore mélangés. C'est un peu chiant. La cavalerie de chaque côté. Voilà. Et on s'avance tranquillement. Hein. Voilà, on va juste faire attention de ne pas se prendre une attaque
Ouais, j'ai bien fait de regarder. Allez, on bouge tout ça. Je veux pas savoir. Hop, tac, tac. Ah, c'est bête, j'aurais dû garder ma position. Ok, derrière ça se retourne, donc qu'est-ce que je fais? Une moitié comme ça. Une partie comme ça, j'espère que j'arriverai à temps de ce côté-là. Oula, oula, par contre, faut pas qu'il tire sur mon général avec, avec mes chevaux à côté là. Là, pareil. Si c'est bon, ça fera l'affaire, ça fera l'affaire. Là, derrière, on va aller choper les unités. Ok, ici, on est bien. Il y a eu énormément de pertes. Hein. Donc ils se tournent vers moi, c'est parfait. Ok, lui je le retourne, lui je le retourne. Là on est très bien. Là on fait mine 2. Ah, c'est pas ça du tout que je voulais faire là, c'est n'importe quoi. Oh là là, bon. Ah, j'étais persuadé d'avoir pris qu'une seule des deux unités là, ennemies. Ok, lui je vais lui faire faire tout le tour. Ah, c'est pas bon, des lanciers là. Enfin, faut charger des lanciers comme ça, n'importe quoi. Ok. Toutes mes unités de frondeurs, du coup, je les tourne. Putain, je me retrouve entouré comme un. On décale, je veux pas savoir. Vous avez été des grosses. Et là, quoi. J'ai demandé de prendre les deux unités et là, ça en prend qu'une. Ah, oh, j'en peux plus. Allez, on va faire une charge là. Mon général, ça suffira. Voilà, il a plus d'unité à au corps à corps. Là, je peux les charger. Y a aucun souci. Ils tirent pas. Ils sont. Ah, ils ont pas à la portée. C'est balou. Non, c'est quand vous voulez hein, que vous faites. Voilà. Hop, ça, je les retourne parce que je vois que. Mon général était beaucoup plus lent que prévu. On va les pousser sur le bord de map là. On est très proche du bord de map, c'est parfait. J'ai pas une 1, 2, 3. Ok. Là on est bien, là ça va charger tout ça. Je mets stop. Je vais arrêter le mode feu à volonté. Là ça va y aller. Allez, des renforts. Bon, à Lamberne. On peut accélérer tout ça. Je crois que là, mon général est au corps à corps. Ouf, il est bien au corps à corps même. On peut terminer la bataille. Voilà, bon, j'aurais eu une grosse perte là. Ouah! Ah ouais. Non mais d'accord. Je ne pensais pas. Je ne pensais même pas du tout. Bon.
survie. Voilà, on va réduire un peu en esclavage, ça va faire du bien. Et c'est laquelle celle-là? Ouais. Non, ça va être mon armée de conquérants. Allez. Résolution auto. Mode équilibré, ça devrait passer. Ah! Ah bah oui. J'ai oublié ce détail. Voilà, Cléopâtre. Elle monte de niveau. Cléopâtre. J'ai dit Cléopâtre? Je crois que j'ai dit Cléopâtre. Et oh, bah. Pharangon. Allons-y. Et là, on va faire un petit piège. On va se mettre en fortifié. Et on va voir ce que ça donne. Ici, colonie citoyenne, on avait dit qu'on fera tout ce qui est minier, donc production, etc. Et on peut augmenter du coup juste ici. Voilà. Alors je passe le tour pour faire sauvegarder. J'espère que cet épisode vous aura à tous plu. On se retrouve demain pour le prochain. Je vous remercie d'avoir suivi, c'était Tiob. Alors je vous dis ciao, dès que le tour il a fini de passer. Ah bah on se retrouvera avec la bataille. On se retrouvera demain avec la bataille. Allez, c'était Tiob. Ciao.